Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de la survie du week-end. J'ai laissé la porte ouverte, quel malheur. Bienvenue. Donc j'ai fait un peu de rangement. Ouais, on peut dire ça comme ça. J'ai déchiré les vêtements qui sont pas vraiment très utiles. J'ai gardé ça par exemple, ça c'est très utile, parce que si jamais on déchire les nôtres, on pourra les remplacer. Ça j'ai laissé, j'ai tué quelques loups, parce que voilà, ils sont chiants. La fourrure est bientôt prête, enfin non, dire ça, parce que c'est quand même sur 12 jours, donc voilà. J'ai récupéré un nouveau bœuf séché, je vais le montrer où, parce que j'ai un peu, en fait je suis un peu parti en reconnaissance vite fait. Vous avez vu que quand on est trop loin, en fait, ça devient des... octogonales? Non, 5. Je sais plus. Et après, ça devient un peu plus circulaire, c'est marrant. Enfin bref, j'ai mis toute la nourriture là. Donc ça, c'est la nourriture qu'on a. Et voilà, il y a des trucs qui sont périmés et tout, mais on les garde. Les livres, j'ai lu la couture, j'ai lu la pêche. J'ai fait de l'eau, j'ai fait de la nourriture et j'ai fait ça parce que c'est vrai que je l'ai pas montré encore. Il fait beau en plus. J'ai fait ça, cache de pierre. Et voilà. Ça fait un super bruit de pierre qui claque les unes contre les autres quand on ferme. J'aime pas du tout, mais bon, c'est fait. On a ça, on a de l'eau pour le... Enfin voilà, honnêtement au final j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai juste réparé mes vêtements parce qu'il y avait des vêtements en fait qu'on avait vraiment besoin. Genre par exemple le pantalon en peau de serre et tout ça. Donc j'ai un peu tout remis à neuf. J'ai fait un peu le tri. Bah oui, non, mais en fait, il n'y a pas grand chose hein, au final. Il n'y a pas grand chose. Voilà, j'ai tué quelques loups et tout. On s'est remis bien. On est à 36 kilos. J'ai une corde. Donc, j'ai pris qu'une corde pour le moment. Parce que on va aller. Bah, on va aller en fait. Bon, c'est. Oui, et là, j'ai mis les flèches et tout ça. C'est pas trop un niveau de farm. Enfin, c'est pas trop un épisode de farm, mais un peu. Hein, parce que c'est vrai que j'en ai pas vraiment... Enfin, j'en ai pas montré, parce qu'à chaque... Oh là là! J'en ai... Je coupe à chaque fois pour les épisodes de farm, mais je me suis dit, tiens, on va en montrer un. Ouais, on va pas faire grand-chose dans cet épisode, c'est ça que je veux dire, en tout cas. Donc, on a ça. On va le déposer là. Oh là là! Ces corbeaux! Mais ils sont super forts, hein, des fois. Hein. Ils sont méga forts. On va en prendre deux. Par contre, vous avez vu que le maximum c'est 30 kilos pour la cage de pierre, donc honnêtement, c'est très très chiant. Je trouve ça très très bête. Il fait pas très froid, donc on se balade. Et on va poser la pierre. Je sais même pas si on a tout sur nous. Attendez, j'ai peut-être pas le sac de couchage. Ouais, on devrait peut-être prendre le sac de couchage quand même au cas où. Si jamais on est bloqué par une tempête, qu'on puisse dormir. Ah là là, ces bruits. Oui, il y a des loups un peu partout, morts évidemment. Fallait pas venir, hein. Fallait pas venir chez moi. Voilà, j'ai pas pris la lampe, je crois, si. Non, si, je l'ai la lampe. Oui, non, c'est bon. Horrible, horrible. Donc on va passer par là. Donc notre but, c'est de trouver un endroit où on peut poser la corde et récupérer genre macette, champignons. À B, des trucs comme ça en fait. Peut-être un peu de bois parce que c'est vrai que j'ai un peu tout utilisé. Potentiellement trouver des cadavres, des trucs comme ça. En parlant de cadavres, je suis allé jusque là. Donc juste à ce... ouais, en parlant de cadavres, en fait c'est pas un cadavre. Mais c'est pas grave. Je suis allé jusqu'à ce bois-là. Donc j'avais pris toutes les massettes, là on peut voir. Il y a un sac, et c'est là où j'ai trouvé comment ça s'appelle? Mon beef jerky. Ma viande séchée. Donc voilà. En vrai, il vide. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balader. On va se balader vers là. Ça a l'air tranquille en plus, c'est pas très froid comme j'ai dit. Donc sur les oreilles, j'ai le cache-oreille. J'ai pas mis les crampons. Après, vous allez me dire, c'est un peu difficile de mettre des crampons sur les oreilles. ouais. Et ouais, on rigole, hein, on rigole. Je sais, je pense pas que je puisse monter. Hein.
m'étonnerait. Hein. Attendez. Ah, quoique. Non. Non, si, peut-être, oui. Oh, waouh, ok. Ah bah là, je suis surpris, hein. Je pensais vraiment pas qu'on pouvait. Hein. D'accord, bah tant mieux. Ok, c'est juste un cerf. On va prendre ça. Oh, ça c'est bien. Alors, en théorie, cette butte là, cette dune, ça serait, je crois, le niveau de la corde, je pense. J'en sais rien, en fait. Je sais pas. Je sais pas vraiment. Comme j'ai dit, là, c'est un peu l'épisode où je sais pas trop quoi faire. Parce que j'avais envie de, comme j'ai dit, de faire des excursions, mais bon, elles vont pas être... hein. Je pense pas que ça va redoubler d'action. Hein. On va remettre ça. Je sais pas vraiment si c'est très bien de faire ça. Enfin oui, ça augmente quand même les pourcentages de résistance au froid et tout ça. Donc j'avoue que c'est utile, mais c'est vrai que de changer comme ça d'équipement... Ça... Oh la vache, putain, il m'a fait peur ce con. Oh vache. C'est vrai que de changer d'équipement comme ça, c'est un peu chiant. Putain, il m'a fait peur. Ça va, je me casse, ça va, ça va, ça va. La vache. Ah, le machin, il est pas gentil, hein. Pas sympa. Hein. Putain, le bruit que ça fait. Encore un qui font des bruits énormes hein, quand ils nous voient. Hein. Ça va. Je crois qu'on va devoir aller là, mais d'abord, je voudrais aller sur le côté gauche. Voir s'il n'y a pas des choses intéressantes. On va essayer de monter. Je me mettais les crampons pour éviter de me blesser avec une foulure. En fait, à chaque fois qu'on monte, il faudrait mettre les crampons. On peut passer par là. Ok, on a des loups sur la droite. Ouais. Mais en fait, il n'y a rien là. C'était quoi ça? Un lapin? Non. C'est pas un lapin ça. Un cadavre. Ah, il a bouffé le lapin. Ah, mais je pense que du coup, il n'y a plus rien à récupérer. Ah non. Non, ça l'a détruit directement. De toute façon, on va avoir froid, donc on peut rester avec les crampons maintenant. On a un petit lapin ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas une grotte? Bon, au final, on n'a pas fait grand chose. Hein. Enfin, on n'a pas vu de grand chose, c'est surtout ça. On a une corde là. Ouais, j'avoue que pour l'instant c'est bof.
doit bien avoir des grottes. Où on peut se s'abriter, non? On prend la corde. 42. On n'est pas trop fatigué. Ouais, on peut. Il y a le loup là-bas. À la limite, on peut. On a des champignons. Encore la corde qui est doublée. Je sais pas ce qui se passe. Hein. Première fois que je vois ça, maintenant, toutes les cordes en fait qui sont ici sont doublées en fait. Sont buggées comme ça. Très très embêtant. Faut qu'on trouve un endroit pour se réchauffer et dormir. Enfin, se reposer, à la limite. Pas dormir. Juste en face, je crois que c'est une grotte, ça, là-bas. Vous voyez le renfoncement, là? Je pense que c'est une grotte. Ah, trop vite. Très bien. Ouais, c'est une grotte, on va aller là-dedans. Il y a des lapins devant. Ah, il y a une un morceau de l'avion aussi. Ok. Merci. Allez, merci. Se faire les lapinous si on veut. Okay. On peut explorer un peu la grotte histoire de voir encore une fois s'il n'y a pas des cadavres et tout ça. Faut faire gaffe hein, parce que la lampe on en a qu'une seule hein, et on n'a pas de fuel de côté. Après si jamais je veux du fuel il va falloir que j'aille pêcher et j'aime pas vraiment pêcher. C'est énormément de perdu. Il y a des trucs en bas. C'est énormément de temps perdu, gâché, j'ai envie de dire. Enfin, non, c'est surtout la ressource, en fait. Si on pouvait pêcher, genre, sans problème, c'est-à-dire... genre, à l'abri du vent et du froid, surtout. Ça irait. Maintenant, ça irait. Ah, mais on était déjà venu ici. Lol. Ah, du coup, oui, c'est une des grottes. Ok, 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 d'accord, ça marche. Ça marche. Bon, bah, on remonte. Ouais, si on pouvait être 100% protégé du froid, en fait, ça irait bien, la pêche. Mais à chaque fois, c'est des petits cabanons comme ça, là, où il fait très froid. Donc, en théorie, il faut du feu pour se maintenir au chaud pendant qu'on pêche. Donc, ça pompe un max de ressources, en fait, le fait de faire ça. Pour quasiment aucune récompense, quoi. Enfin, très très peu de récompenses. Donc, ouais, c'est embêtant. C'est pour ça que j'ai vraiment pas envie de devoir pêcher pour récupérer du fuel. On a ça. On pourrait à la limite chasser les lapins pour récupérer de la viande. On pourrait faire ça. Je crois qu'on n'est pas encore réchauffé au max. On va faire ça.
bien. Et hop là, on est reparti. Sont partis les lapins. On va voir s'il y a des objets à récupérer, mais ça m'étonnerait. Moteur, moteur. Par là, c'est pour redescendre. Je suis quasiment certain que la corde qu'on a vue et qu'on a prise, elle était pas là avant. Je suis sûr que c'était une des cordes où il fa... enfin, un emplacement où il fallait rajouter une corde. Quasiment certain de ça. Donc il y a des endroits où ils ont remis des cordes, je pense. Ça me rappelle quelque chose, ce passage là sur le côté. Là. Je pense que je l'avais emprunté pour pouvoir faire le tour et pour pouvoir mettre une corde. J'aime pas trop quand viser quand ils arrivent de la droite parce qu'on voit pas en fait qu'on bande l'arc. Parce qu'il y a l'arc en fait qui gêne la vue. Donc ça c'est un peu chiant. J'ai ramassé un peu de bois exprès pour qu'on fasse un feu et qu'on mange les lapins. Je crois que la corde on va se la taper sur le ventre. Hein. Genre il y a aucun endroit où je vais pouvoir la placer. Et je me trimballe 5 kilos de plus pour rien. Du charbon, ça. On a des caisses ici. On fait un feu à côté des caisses et on les casse pour voir s'il y a des trucs à l'intérieur. Après, après s'il y a un vent, on n'a plus de feu quoi. Je me demande ça si c'est pas un emplacement de corde. Ah tiens, on peut faire un feu là-dedans. Je crois que ça, c'est un emplacement de corde. Ouais, comme ça. Ou alors, on se met nous. Aussi, ça marche aussi. Et comme j'ai dit, c'est le feu qu'il faut... qu'il faut absolument... TG, pas nous. Ça se passe bien notre petite aventure là. Pas grand chose. J'aurais bien voulu qu'on trouve un peu plus, genre de champignons. Perfect. Et tout ça. Mais bon. Hop, c'est bon, la chaleur est bonne. La chaleur est bueno. On va faire ça. Je peux entendre des pas, mais... Ah, il fait trop... trop nuit. Fais voir.
4. J'avais dit qu'on faisait les lapins surtout. On a le vent qui se lève évidemment. Sinon ce serait pas drôle. Une 13 minutes. Je peux le faire à la main. Ouais, non, mais c'est super long à la main. Il y a la fourrure à la limite. La fourrure, c'est de 21, ça passe à 28. La fourrure, ça passe. C'est pas vraiment un problème. Ok, très bien. Ok, ça c'est très bien. Je commence à être fatigué. On peut dormir à la belle étoile, hein. Je crois que c'était une connerie le coup des caisses, hein, par contre. Je crois que c'est une connerie. Y a rien du tout. Voilà, rien du tout. Ça sert à rien. Bah, honnêtement, de mettre le truc prêt, ça sert à rien, parce qu'en fait, c'est où votre personnage est positionné et que ça prend. Je crois qu'il est en haut. Ouais, il y en a deux en haut. Intéressant. Ouais, je sens la barbaque, en fait, c'est pour ça. Ce qui est logique. Voilà. Voilà, voilà. Ouais, on va dormir. 6 heures, très bien. On peut dormir 6 heures, même si le feu est 6 heures, il durera plus longtemps de toute façon. Voilà, il reste encore 3 heures de feu. Par contre, j'ai tout enlevé, hein, la nourriture qu'on avait de réserve et tout ça.
Mais taisez-vous là! Non mais oh, on s'entend même plus dormir. J'ai tout enlevé, donc on n'a rien en réserve. On n'a que les massettes à la limite. Donc voilà. Mais bon, il y en a beaucoup des massettes ici. C'est pour ça que je me fais pas trop de soucis. Bien. On va prendre tous les massettes qu'il y a. On va me rajouter les... comment ça s'appelle? Les charbons. On va dormir encore un peu. Et on va partir. Il y en a deux. Ah oui, j'ai eu des commentaires en me demandant comment tu fais pour ne pas prendre ça. C'est tout simple en fait. Vous faites clic gauche et clic droit. Tout bête. Genre c'est accepter de prendre la tête, mais non, accepter de prendre les tiges parce que c'est comestible et pas prendre la tête parce que la tête c'est du petit bois, donc nous on n'a plus besoin de petit bois. Ah, faut trouver un moyen de monter, mais j'ai peur que monter en fait il faut passer par des grottes. Alors, 5 heures. Je peux me lâcher la grappe, merci. Juste au cas où, on sait jamais. Encore 4 heures de feu, donc ça va. On est en pleine forme. Le lapin, il y a quoi? Il nous reste quoi? Il nous reste ça. Ce qu'on peut faire, c'est... ça, ça... De toute façon, il fallait que j'en fasse de ça. On peut prendre les boyaux avec nous. À la limite, on peut les balancer si jamais... si jamais on est pourchassé. Très bien, 2-2-2. Je voudrais faire ça. Et un ça de plus, celui-là, on le va le boire. Alors le boulot, on le garde. Ok, on est bon. Ouh, des mauvaises torches, là. Et oh, les torches. Ça l'a un peu mieux. 32 minutes. Ok, on est bon. Ben, 4 minutes. C'est quoi, c'est... Je crois qu'il y a un ours au-dessus. Ah! What? Oh là là, ce jeu, quoi. Là, il est en train de danser, là. J'avais un peu peur qu'il se passe la même chose, en fait, pour les loups. J'ai tout pris, hein. J'ai mon sac, j'ai ma corde et tout. Ouais.
Alors du coup on sait pas en fait si l'ours il est en haut ou en bas du coup. C'est, vu qu'il glitch. Aïe 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 ce jeu. Mais ouais, j'ai bien peur qu'on puisse pas faire le tour en fait. Et après, vous pouvez faire comme ça, du coup, si vous voulez farmer un peu. Genre farmer dans le sens où vous voulez récupérer des ressources et en faire une petite, un petit stack, quoi. Vous partez un peu léger, si vous pouvez. Et ben, vous faites le tour, tranquille. Avec un sac de couchage. Des torches, hop, vous êtes tranquille. Ah, vous savez ce que c'est cette grotte? Je crois que cette grotte avec ça là, avec la racine qui sort du mur, je crois que c'est pour aller à Blackrock. Parce que là on est sur le côté gauche de... Allez, non. Du Mont Timberwolf, voilà, on est sur le côté gauche en fait du Mont Timberwolf. Et le côté gauche, il y a un endroit pour aller à Blackrock. Donc je pense que c'est ça. On va voir si on peut rentrer. Oui, on peut rentrer dedans, ça là. Oui. On va pas y aller. Enfin, à Blackrock, on va pas y aller. En tout cas, on va aller dans la grotte. Alors, attention. Voilà. Ah, très bien. Ouais, ça, je suis quasiment certain que c'est la grotte pour aller à Blackrock. Ouais, grotte mon Timberwolf, il va pas nous dire en fait. C'est bête ça. Ah, on peut se balader vite fait. Ouais, non, si, ça c'est pour... La plupart du temps, quand vous voyez des passages comme ça, c'est pour vous indiquer qu'on vous allez changer de zone en fait. J'ai remarqué. Y'a quoi là-bas? Des cailloux. Excusez-moi, parce que je bois beaucoup parce que j'ai un peu... Je suis en souffrance, voilà. Je souffre. Qu'est-ce que c'est que ça? Là-bas, il y a des trucs. Je vais essayer de tenir jusqu'à la fin de cet épisode, puis après j'irai me reposer. Ok, on a récupéré ça, c'est bien. On est à combien? 46, ça va. Ça. On va regarder avance. S'il n'y a pas autre chose et... Ouais, non, là c'est pour partir. Je vais être un peu à court de torches. Après on a la lampe, hein, c'est pas grave. Mais... Ah! Rien du tout. Ok, il y a un passage avec de l'eau. Encore quelques torches. On va faire demi-tour. Hein. L'eau est très froide, faire gaffe, il y a un sac là. Ouais, on vous a vu, on a perdu de la chaleur. Vous avez vu? On a perdu un cran de chaleur parce que l'eau est gelée. Et humidité, vous voyez. Ouais.
là, faut faire gaffe. Oh. C'est le chemin que j'ai vu, ça? C'est le deuxième... Je crois que c'est ça. Là, ça. Là, on retourne sur la grande salle, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, ben, on repart. Donc, ouais, si on continue derrière moi, on va sur ma Black Rock. C'est pour ça aussi qu'il y a une fusée bleue. Parce qu'à Black Rock, il y a des loups gris. Il y a des loups gris. mais ouais. Bon, on va pas s'éterniser, hein. On va encore sortir vite fait. Il me reste combien de torches? 23. On va pas s'éterniser non plus. On va encore faire un petit tour. On va essayer de voir s'il y a un moyen de monter où il y avait les loups. Je vais être honnête, ça m'étonnerait. Et on va doucement revenir chez nous. Et voilà, ce sera un épisode où il s'est pas passé grand chose. Comme je vous ai dit, ça c'est un épisode, on va dire, de farm. Genre c'est pas vraiment... Enfin c'est de la petite exploration, surtout pour farmer en fait. Donc vous voyez, c'est pas très très... Enfin c'est relax quoi en tout cas. Enfin relax, on a quand même croisé plein de loups. Ouais. Il y avait quoi là? Il y a un ours, deux ours même. Non, c'est juste pour du charbon. On a un peu beaucoup de charbon quand même. Hein. On va peut-être faire un peu le tri. Oh merde, elle est loup. Avance. Allô? On a beaucoup de charbon. Et à 47, ça va. On va dessiner l'entrée. Hop. Très bien. Non. Putain. Oh là là. Vous allez voir que je vais peut-être même pas pouvoir récupérer ma torche. Ok. Est-ce qu'on a une torche? Deux. On va les garder. Après, je pourrais faire un feu. Et on refait des torches avec le feu. Mais bon. Ça fait beaucoup de bois gaspillé, en fait, pour simplement des torches. C'est pas très très intéressant, en fait. Et je vais... Être honnête, niveau allumettes, ça va quoi. On est passé au-dessus là ou pas? Faudrait que je mette les crampons là. De la reconnaissance.
grand biais parce qu'on va un peu vite. Est-ce que je peux descendre par là? On n'a pas trouvé de maisonnette ou de trucs. Je suis quasiment certain qu'il y avait genre des petites cabanes de chasseurs et tout ça, mais elles sont peut-être sur le plateau supérieur en fait. Je pense. Je pense qu'elles sont plutôt sur le plateau supérieur. Donc du coup, bah, on peut pas l'atteindre pour le moment. Je crois qu'on peut l'atteindre, mais comme j'ai dit, il faut passer en fait sur la droite de la carte, de la région. Prendre des grottes. Trouver la bonne grotte, surtout. Prendre la grotte. Et je crois qu'elle nous mène en haut, sur le côté gauche, du coup, de la carte. Donc, ouais. Attendez, nous on a fait un feu où? C'est là ou pas? Non, c'est pas là. Non, non, ça c'est la... Ça c'est une grotte, ça. Attends, on est allé là? J'ai un doute maintenant. Oui, on est allé à celle-là. Après, je crois qu'on peut monter. Oui, oui, c'est l'avion. Ouais, on peut se reposer. On peut se réchauffer vite fait, ouais. Peut-être même dormir une heure. Et on doit reprendre... Non, non, c'est bon, on va peut-être pas dormir une heure. Mais on peut se reposer vite fait, genre 15 minutes, le temps de crafter un truc. Hop. Ça... Après, oui, on a eu ça. 450 pour 0,50. C'est pas le... Comme j'ai dit, hein, ça, c'est vraiment le moins bien. Mais c'est vrai qu'on a eu ça. Alors, est-ce qu'on peut monter? Genre, faire le bord, là. Attends, on va passer en escalade. Ce serait bien... Là, il y a un loup. Ce serait bien de pouvoir... mettre en raccourci, en fait, le fait d'utiliser les crampons, des trucs comme ça. Ce serait vraiment cool. Je pense pas qu'on va pouvoir y arriver. Non, on peut pas. On peut pas... Faut que je me mette un raccourci pour aller directement dans le... Les vêtements. Je crois que j'en ai fait un, mais je sais plus. Alors, là-bas, il y a une corde. Là-bas, il y a une corde. On est à 46, mais... Ah, on peut laisser tout notre bois et rentrer sans bois. J'aurais bien trouvé un endroit où mettre la corde. Mais nous, on est passé par où? On est passé par la corde de droite. Ah, attendez, il n'y a peut-être pas de corde. Ah. Ah ah. On a trouvé un endroit. Eh oui, nous, on vient pas de là. Nous, on vient de là-bas. Tada.
Pas mal. J'entends des corbeaux, donc il y a sûrement un cadavre. Ouais, très bien. Ouais, on va aller là-bas. Ok, ça nous fait un... Ça nous fait un petit raccourci, j'ai envie de dire. Parce que ce qui est bien, en fait, dans mon Timberwolf, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est depuis qu'ils ont rajouté Blackrock, depuis qu'ils ont rajouté le Canyon des Cendres et tout ça, il y a encore deux fois plus, en fait, de grottes pour vous abriter. Donc, je crois qu'après chaque corde, vous faites 2 mètres et vous tombez sur une grotte, en fait, pour vous reposer et vous mettre à l'abri. Donc, vous prenez un sac de couchage et vous êtes tranquille, en fait. Même si vous vous épuisez complètement à prendre des cordes, vous allez pouvoir vous reposer juste après, ou juste avant, même. Donc, ça va. Ça, c'est bien, ça. Ah, là, c'est sympa, là. On va pouvoir faire des flèches en plus. Non, on peut voir combien de temps c'est pour la peau. 28 minutes. J'entends des loups. Je crois que c'est là où on avait trouvé l'ours. Non. Pas dans ce périmètre-là, en bas. Donc faut faire gaffe. Je prends la peau parce que la peau, c'est le plus important, en fait, pour moi. Pas mal. On est toujours sur... Ouais. De toute façon, on peut le reconnaître avec le bruit des pas. Ok, lapin, la corde là. Oui, oui, là, ouais, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, je vois. C'est un loup ou c'est un cerf, ça, là-bas? On va prendre tout ça. Ah, j'avais dit que... honnêtement, je pensais que c'était quand même un peu plus fourni. Bon, après, on a fait que 1-2 plateaux, j'ai envie de dire. Quand je dis plateau, ça veut dire que, genre, on fait une corde, il y a un plateau au-dessus. Si on monte encore d'un niveau, c'est un autre plateau et tout. Donc là, c'est vrai qu'on n'a pas fait grand-chose. On a fait, genre, 2 plateaux, voire 3 peut-être. Avec le système des cordes. mais ouais, je pensais quand même qu'il y avait un peu plus de champignons et tout ça. Il n'y en a pas énormément. Ouais, donc là, c'était où on glissait, en fait. Vous voyez, vous vous rappelez? Il n'y en a pas énormément, mais encore une fois, il y a une partie encore plus haute où il y avait les loups, en fait. Tout simplement, où il y avait les loups en haut. Ah, il va me faire chier, évidemment. Non, c'est bon, il a eu peur. Il nous détecte de méga loin, hein, alors que j'ai pas d'odeur, rien. Attends, là-bas, il y a un truc. Non. Ça, c'est une carcasse, hein, je crois. On est à combien? 42 sur 45, ça. Ah, non. Ah, il y a le loup là. Non, 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 c'est pas une carcasse. On peut aller prendre la corde. Aller prendre la corde. Je crois que c'est le plus safe parce que après je connais pas trop. En fait, faudrait tout aller sur le côté droit ou on prend la corde à gauche. Mais je crois que descendre en ligne droite comme ça, c'est dangereux.
Faire attention parce que le loup, là il y a des montées, des descentes. Le loup peut très bien bifurquer entre ça. Et on peut pas le voir. Ouais, je connais, j'ai jamais fait la descente en fait ici et tout ça, donc faudrait que je regarde mieux depuis le bas. Ça a l'air praticable, hein, en tout cas, ça a l'air praticable. Mais on va prendre la corde. Mais je pense qu'on peut. On va regarder. Ouais, il faut que je m'habitue à mettre un raccourci pour ça. Si jamais je fais ça, j'ai jamais fait encore ce système où je garde le cache-oreille et tout ça, parce que bah, à l'époque, on va dire que les crampons c'était unique. Il n'y en avait qu'un seul sur tout le jeu. Maintenant, on peut en crafter. Et ceux craftés, c'est exactement les mêmes qu'on peut trouver. Et surtout que ceux qu'on peut trouver, maintenant, bah, y en a plusieurs. Voilà, donc. À la limite, c'est pas trop grave si genre je dois le balancer parce qu'on est trop lourd ou une connerie comme ça. Bon, ça m'étonnerait que ça arrive un jour, mais c'est pour dire. Hein. Donc c'est vrai que j'avais toujours privilégié de fait de toujours avoir les crampons, même si on avait trouvé le cache-oreille, là. Mais là, on va voir. Ouais, ça a l'air praticable. Il y a peut-être des grands sauts à faire, quand même. Mais ouais, tout ça pour dire que on va voir un peu. Les crampons, c'est 0,50. Le cache-oreille, c'est 0,25, je crois. Là, on avait fouillé, évidemment. Ouais, regardez, c'est peut-être praticable, mais je serais pas d'avis de tenter quand même. Ouais, non. Plutôt faire le tour sur sur ce côté-là, ou alors la corde. Ou la corde. En tout cas, moi, je vais devoir vous laisser là. On va s'arrêter pour cet épisode. Donc, c'était un épisode, voilà, tranquille, farm un peu. On a récupéré, je vais faire un peu le compte-rendu de ce qu'on a récupéré quand même. On n'a pas récupéré des masses, mais des massettes. Oh la vache. Je sais, c'est pas drôle. On fait voir un peu. Encore heureux qu'on n'entend pas les corbeaux à l'intérieur, hein, putain, sinon je deviendrais complètement chèvre. Alors, on a récupéré ça, c'est pas mal. On est revenu avec ça. Ça. On n'a pas trop utilisé par contre. Donc ça c'est bien. Donc on a récupéré une fusée. Et merde, putain. Chier. Chaque fois je me place. Mais vous posez un bateau, en fait, il aura toujours le. Il sera posé toujours de la même direction, vous voyez. Vous pouvez vous en servir comme boussole pour ceux qui savent pas. Parce qu'en fait, il va pointer tout le temps le nord. Alors, le nord avec des grandes parenthèses, hein, parce que vous savez que les régions, elles sont un peu bizarres. Mais voilà, vous pouvez vous repérer avec ça. Donc, deux peaux fraîches de lapin, ça c'est bien. On a une peau de cerf fraîche aussi, ça c'est très bien. On a des boyaux. Ou pas. Ah non, les boyaux, je les ai pas repris parce qu'il y avait l'ours qui était descendu. Non, 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 je les ai pas repris, les boyaux. C'est pas grave, si on n'en a pas vraiment trop besoin, parce qu'on en a déjà d'avance. On a eu des plumes. Très bien. On a eu des bois, ça c'est bien. Donc ça c'est pour des fûts de flèche, donc ça fait 2, donc ça fait 6. Et après on a eu 3 arcs. Donc ça c'est très bien. Et surtout, 21 reishi, 48 sino, bon on les a pas trop. On n'a pas 30 trucs avec ça, mais beaucoup de reishi, donc ça fait une dizaine de tisanes, parce qu'à chaque fois c'est 2, si je ne m'abuse. À chaque fois c'est 2. Donc une dizaine de tisanes trouvées avec du sirop aussi en plus. Le sirop, je sais pas si je devrais pas tout simplement l'utiliser.
Donc, ouais. Alors, moi, je vais encore passer quelques jours ici, histoire de sécher des trucs et me mettre à bien, je pense. Et on se reverra la prochaine fois. Ah, non! Et on se reverra la prochaine fois. Je pense qu'on sortira et on partira dans une autre zone. Je vais voir si le mont Timberwolf, il reste encore des trucs genre à explorer, un peu comme ce qu'on vient de faire, mais autre part. Mais on a fait quand même beaucoup du mont Timberwolf pour le moment. Donc, je pense qu'on pourrait partir. Voilà. Et après, si on part, bah, je vais réfléchir où on part. Et si jamais on part, il faut que je réfléchisse à ce qu'on prend. Parce qu'on a quand même beaucoup de bordel. Et on n'a pas de travaux, lolilol. En tout cas, à la prochaine, portez-vous bien. Boire un coup. On va manger tout ça. On va boire un coup. Et on va dormir 1 heure, l'histoire que ça sauvegarde, évidemment. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao!